Bonjour à tous, bienvenue à la BPI, ou en tout cas sur la version digitale de la BPI sur notre compte Facebook. On est très heureux de vous voir et de continuer à maintenir le contact avec vous malgré les circonstances. On continue aujourd'hui les jeudis de la BD. La semaine dernière, on a rencontré François Bouc et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir David Prudhomme. On est toujours, comme d'habitude, en compagnie de Sonia qui va mener cette interview et pour une belle soirée en bande dessinée. Alors juste un tout petit détail avant de commencer. Si vous avez des questions à poser à David, même si c'est une retransmission, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires et David sera là pour y répondre. Et je vous souhaite une bonne soirée en bande dessinée. Merci Sonia, merci David. Merci Nathan. Merci Nathanaël, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Merci David d'être avec nous pour ce jeudi de la bande dessinée à Merci. distance. Merci. Oui. Merci d'autant plus que je sais que tu es très occupé en ce moment puisque tu es en train de boucler un nouvel album qui est à paraître au mois de mars, si je ne me trompe pas, aux éditions Futuropolis, un album qui devrait avoir pour titre Du bruit dans le ciel. Je dis de vrai parce que je crois savoir qu'il s'est aussi appelé Ma base, il s'est aussi appelé Mon voisin de par Dieu. Donc tu nous diras si c'est le titre définitif du bruit dans le ciel. Mais justement, cet album sur lequel tu es en train de travailler actuellement, est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que tu nous racontes dans cette nouvelle bande dessinée? Et bonjour à toutes et tous, bonjour Sonia. Dans cet album, je raconte quoi? Je raconte un peu l'histoire du territoire dans lequel j'ai grandi, qui se trouve, s'appelait Grangeroux, qui jouxte Châteauroux. Donc c'est un album peu exotique. Donc Châteauroux, c'est le centre de la France. Grangeroux, jouxte Châteauroux, en étant juste séparé par une rocade. Grangeroux est entouré de champs et accolé à une base militaire. Donc voilà un peu le décor, et je raconte un peu l'évolution de ce décor depuis l'installation avec mes parents en 1981. L'évolution de ce territoire avec ses surprises. Parce il y en a pas mal. A priori, c'est un territoire qui est extrêmement banal. C'est une zone mi-campagnarde, mi-périurbaine. Ça a une origine campagnarde, parce qu'à l'origine, quand on s'est installé, il y avait 15 maisons. Maintenant, il y en a à peu près une centaine, des lotissements. Donc, et ça n'a rien d'original, ça n'a rien il n'y a pas une esthétique particulière qui fait que j'aurais eu envie graphiquement de la représenter. Ce qu'il y a de plus beau là-bas, ce sont peut-être les ciels. Donc ça, les ciels, on peut en trouver un peu partout. Mais il y a des caractéristiques suffisamment amusantes et des particularismes qui font, qui m'ont donné envie, enfin qui m'ont poussé en fait à avoir envie de réaliser quelque chose là-dessus. Quel particularisme, par exemple? Tu parlais de la base militaire, Oui. c'est un élément central dans cet album, cette base militaire. Oui, parce qu'en fait, ce n'est pas une base militaire qui a été construite par l'armée française, elle a été construite par l'armée américaine, dans le cadre de l'OTAN, de l'installation des Américains. Donc, c'était une des plus grandes bases de l'OTAN en Europe. Donc, c'était carrément comme une ville à côté de Châteauroux, qui a complètement modifié la vie même des Castelroussins, puisqu'on dit Castelroussins, et de tous les Berrichons, et qui reste très très présent dans les mémoires, puisqu'il y a encore beaucoup de gens qui ont vécu cette époque. Les Américains sont partis en 67, donc c'est à la fois vieux et en même temps, à l'échelle d'une vie, il y a plein de témoins. Et mon père a vécu près de cette base, il a côtoyé des militaires américains. Donc je raconte à travers les premiers pas de l'histoire, ses propres, j'évoque ses souvenirs là, et cette présence diffuse qui est encore présente, un peu comme la silhouette de Depardieu, Gérard, qui est dans toutes les têtes des Castelroussins, même s'il n'y revient plus. Mais donc c'est une des raisons qui font que ça s'est appelé à un moment Mon voisin Depardieu, parce qu'en réalité, nous avons un voisin direct qui s'appelle Depardieu, Fabrice,
mais C'est pas le bon. ah, si, il est bon, mais Oui. c'est pas le Depardieu connu de tous. Oui. Donc j'avais envie de jouer ce clin d'œil, et puis c'était un petit peu trop racoleur, peut-être on peut dire. Donc effectivement, c'est difficile de faire le deuil d'un titre aussi choc, en fait, hein, aussi provoque. Après, bon, ma base, on peut comprendre facilement, puisqu'il y a toute une partie souvenir historique qui est. Historique, non, mais enfin, souvenir personnel dans cette histoire. Et puis, finalement, je ne sais plus pourquoi j'en suis arrivé au bruit dans le ciel. Parce qu'il y a des C'est avions. poétique. Voilà. Alors, est-ce que c'est la peau. L'album n'est pas que poétique, mais Mmh. il est, et j'espère, assez amusé. Parce que le ton que j'espère arriver à atteindre, et puisque c'est toujours un travail, même là, à quelques, j'allais dire, jours de la fin de l'album, il me reste encore tous les textes à écrire en réalité. Donc Ah, mais donc c'est pas c'est. du tout la fin. Si, c'est la fin, parce que c'est la cristallisation, en fait. Ça se passe toujours comme ça. C'est-à-dire que j'ai les images qui arrivent, qui sont travaillées, je sais où je vais. Au fur et à mesure du travail, mais enfin de plus en plus précisément, je sais ce que je dois raconter. Et puis à la fin, c'est le dialogue ou le texte va donner la touche finale, le ton final, définitif. Et ça jusqu'au dernier moment, j'espère toujours trouver le ton le plus juste, le ton qui va faire que je vais pas avoir honte de sortir le bouquin, en fait. Et jusqu'au dernier Mais moment, c'est je sans doute. fin, du coup, oui, ouais. Il faut des délais que j'ai cette fois-ci explosé allègrement Allez, comment? à mon grand dam, mais oui, cet album a été un peu difficile à réaliser parce qu'il touche à des proches aussi, à des souvenirs personnels. Donc c'est plus délicat que de manier des personnages imaginaires, en fait. Et tu parlais des Américains dont la présence est toujours là, qu'on sent toujours, mais il y a aussi une autre présence qui est là, qui est arrivée après les Américains. Et tu disais, c'est l'histoire d'un territoire, c'est ça aussi que tu as voulu montrer, je crois, c'est qu'il y a toute une mondialisation qui se joue dans un endroit, comme tu disais, qu'on n'imagine absolument pas. C'est-à-dire, c'est la campagne, c'est le centre de la France, il y a des lotissements, il y a des champs, il y a des ciels, des beaux ciels, tu nous dis. Et là, ce qui se joue, c'est qu'il y a les Américains qui construisent une base, il y a l'avion présidentiel qui vient s'entraîner et il y a les Chinois. Pas trop en dire parce qu'après Un petit peu. un petit peu, mais c'est vrai que ça ressemble quand même à énormément de lieux-dits qu'on peut croiser sur les routes quand on les emprunte, qu'on traverse ou qu'on contourne ou qu'on longe. Et il y a rien de qui laisserait supposer, quand on traverse ces endroits-là comme Grangerous ou comme d'autres, qu'il n'y a rien qui laisse supposer que la mondialisation ou le sort du monde peut y trouver un terrain de jeu, en fait. Or, c'est ce qui se passe là-bas. C'est-à-dire que effectivement, à cause d'un désert économique, en réalité, les pouvoirs publics tentent à tout prix de trouver des solutions. Je crois que ça peut être dit comme ça. Et les Chinois sont apparus comme une solution possible à un moment. Les entreprises chinoises, mais les entreprises chinoises étant adossées à l'État chinois, je me permets de dire les Chinois, d'ailleurs les gens du coin nomment la chose, comme on dit l'ABD à Angoulême, hein, voilà, c'est un peu le même genre de choses. Donc c'est vrai que ce projet est arrivé d'installation d'entreprises chinoises est arrivé il y a à peu près une dizaine d'années, un peu plus. Et là, je n'en dirai pas plus. Viendront-ils, ne Ben non, viendront-ils pas? rendez-vous au mois de Mais mars. Non, mais il y a viendront. quelque chose Mais peut-être qu'au mois de de mars, la surprenant. situation aura encore changé. Et c'est vrai que c'est très surprenant alors qu'on n'imagine absolument pas, tout d'un coup, cette espèce d'énorme basculement du monde, en fait. C'est-à-dire comme si c'est un peu comme si l'histoire du monde passait devant la porte de la maison familiale. En fait, c'est vraiment ça l'histoire. Alors qu'on s'y attend absolument pas du tout.
qu'on est que la vie quotidienne, c'est s'occuper du jardin, c'est vivre au rythme de la nature, en réalité, hein, tailler les arbres, récolter les fruits, vivre avec les animaux. Donc, tout d'un coup, toc, 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 enfin, une fois que la porte est refermée derrière les Américains, c'est les Chinois qui essayent d'entrer par la fenêtre. Et on verra si ce qu'il advient, ce qu'il en advient. C'est toujours en cours et ça évolue en permanence. Et au cours de ces 10, pardon, au cours de ces 10, 12 années écoulées, il y a eu moult projets successifs. Et à chaque fois avec des rebonds, des surprises. Et c'est ce qui fait que je me suis dit, je suis le témoin de ça. Personne d'autre pourra le raconter et je sens a priori que ça peut avoir un intérêt parce que la surprise est là et puisque moi Et j'ai été surpris. il y a un mot que tu emploies aussi souvent, c'est le mot collage, comme s'il y avait un collage en fait, comme s'il y avait plein de choses les unes à côté des autres, encore une fois dans un endroit où on les attend pas. C'est vraiment Oui. ça, tu as le sentiment que c'est plein de choses mises côte à côte qui a priori n'ont rien à voir ensemble, mais et qui, toi en tant que dessinateur, t'as marqué? Oui, c'est-à-dire que j'ai grandi là-bas dans une sorte de cohérence, un truc où c'était allez, entre 80 et 87, ça fait une petite période, mais j'ai grandi là-bas dans un univers où était là à l'époque immuable. On avait les champs, on avait quelques voisins, mais le théâtre était en place et il me semblait ne jamais devoir bouger. Et puis, comme tous les gens qui ont la chance ou l'occasion de pouvoir revenir dans la maison d'enfance ou la maison familiale, on peut à chaque fois repérer à titre individuel, personnel, déjà l'évolution des uns et des autres, enfin des rapports de voisinage qui évoluent, l'âge aussi des protagonistes évoluant. Il y a des émotions différentes à chaque fois qui nous habitent, qui nous imprègnent. Mais là, en plus, à chaque fois, il y avait une surprise de taille liée au paysage. C'est-à-dire que, pof, on va avoir tout d'un coup. J'hésite, hein, j'ai envie de faire des spoilers, mais je peux pas. Parce que ça donne. Mais tiens, dernièrement, l'Indre s'est effondré de 60 cm en une nuit. Donc, l'Indre, c'est la rivière qui coule. Et on va avoir. Une ferme qui change de destination complètement. C'était pendant des années un élevage de vaches, et puis tout d'un coup, ça va devenir vraiment un cabaret. Allez, je le balance. Qui s'appelle Qui s'appelle l'audacieux. l'Audacieux et qui porte bien son nom, puisqu'en pleine, en pleine, en bord de rocade, en pleine campagne, tout d'un coup, il y a un cabaret digne des nuits parisiennes. On va avoir des tanks entreposés, on va avoir tout d'un coup plein de choses comme ça qui s'amoncellent et qui se collent, qui s'agrègent les unes aux autres, qui se juxtaposent les unes aux autres. Et comme je dois avouer que je pense assez la bande dessinée comme une juxtaposition, mais évidemment, mon cerveau fait tout de suite la connexion et je me dis, il y a matière à bande dessinée parce que si je colle ces deux images qui n'ont a priori rien à voir, on va pas tomber dans le surréalisme parce que je ne veux pas employer ce terme galvaudé, mais on a comme quelque chose d'une confrontation, ni dans le situationnisme, mais il y a quelque chose de surprenant. Tout l'album est rythmé aussi des publications dans la Nouvelle République, le journal local. On a en permanence les annonces des choses qui se succèdent dans Grangerous et autour de Grangerous. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cette idée de collage, de toute façon, dans cet album-là, mais dans d'autres aussi. Je Et juste, pense que ça. Oui, pardon. Oui. pardon, non, justement, tu parlais de collage et tu parlais du dessin. Tout à l'heure, tu parlais de ce qui, dans l'esprit, t'a donné envie de raconter cette histoire, cette idée des choses qu'on n'attend pas dans un lieu qui t'est familier, mais où d'un seul coup, c'est comme si le sort du monde s'y jouait, ou en tout cas, comme si le monde défilait devant la porte. Mais en termes de dessin,
Quel plaisir est-ce que c'est, est-ce que j'allais dire, est-ce que ça a été, mais tu es encore dedans, est-ce que c'est de représenter ces lieux qui te sont chers, là où tu as grandi, est-ce qu'il y avait aussi un enjeu particulier là-dedans? Tu parlais des ciels, des paysages. Comment est-ce que tu as appréhendé cet album? Parce que, et on va en parler en parlant d'autres titres que tu as publiés, mais c'est vraiment quelque chose qui te caractérise, le fait de changer d'album en album, de pas hésiter à changer de technique, de pas hésiter à changer de style pour que ça corresponde le mieux possible à l'histoire que tu racontes. Comment est-ce que tu as appréhendé cet album graphiquement? Ouais, ça passe toujours par une phase de recherche et une phase analytique ensuite. Donc une recherche assez débridée sur le style. Et puis ensuite une phase d'analyse des propositions que j'ai lancées. Le processus est assez long, cette fois-ci il est très long. Il y avait plusieurs options en fait. Il y a la possibilité du croquis, on va dire, pour simplifier, enfin, disons un dessin très suggestif, très très simple, un peu humoristique, dont on a l'habitude de voir, qu'on a l'habitude de voir sur sur des sujets un peu comme ça, un petit peu, j'allais dire sociétaux, enfin voilà, reportage entre guillemets, ou sans guillemets d'ailleurs, reportage, et un côté aquarelliste ou paysagiste qui était possible, à cause des ciels, à cause de l'envie de dessiner les arbres, la verdure, enfin, quelque chose comme ça. Ça, j'ai abandonné les deux pistes, ces deux pistes-là, parce que j'avais peur pour ce qui est du croquis, de ne pas réussir à faire partager ce qui, moi, me touchait, ce que je voulais transmettre, en fait, c'était aussi une certaine beauté des paysages. Mais j'ai abandonné l'autre piste, aquarelliste, paysagiste, on va dire, parce que j'avais peur de m'abîmer dedans, c'est-à-dire de tomber dans un dessin trop anecdotique, on va dire. Et Donc donc, tu as choisi le crayon. j'ai choisi Ouais. l'ancrage et le crayon, donc je gomme tous les ciels, en réalité. Tous les ciels qui sont si beaux, ben, ils sont pas là. Alors c'est vrai que je me prive de coucher de soleil, d'effets dramatiques et j'ai toujours du mal à en faire le deuil, mais là je crois qu'il faut s'y résoudre. Et puis on a vu quelques images tout à l'heure et Et c'est je me très suis beau. Enfin, on concentré. réussit à rendre la lumière avec le crayon, en Voilà, fait. je me Quelque chose qui suis. peut paraître. Ben, c'est exactement ça, Sonia. C'est-à-dire que je me suis concentré sur la lumière, les ombres, en me disant que ça peut permettre de ressentir des émotions. J'ai un dessin quand même qui reste assez photographique, assez pointu, parce que je me suis servi beaucoup de photographies que j'ai faites, mais en les transposant avec ces outils crayons et encre de Chine, ça me les fait basculer dans un truc, des outils très simples, en fait, des outils de base du dessinateur. C'est-à-dire que le crayon, pour moi, c'est l'écriture première. Puis il y a l'ancrage et une nouvelle couche de crayon qui travaille à nouveau la lumière. Alors c'est parfois le crayon constructif, j'allais dire le crayon qui sert à la construction, je le garde pour donner justement encore ce souvenir du croquis, de la prise première de note. Mais le deuxième crayon, celui qui arrive après l'ancrage, lui, il travaille les lumières de manière plus douce. Il sculpte un peu. Il est là pour faire qu'on regarde des images en y passant un peu de temps, en réalité. Parce que ça compte beaucoup dans l'attachement que j'ai au lieu. Et c'est une des difficultés de l'histoire. C'est arriver à faire sentir au lecteur l'attachement qu'on peut avoir à un lieu qu'on ne connaît pas et pour lequel, a priori, il n'y a aucune envie. Je dessine pas l'acropole, un Peut-être que tu mouvement vas déclencher une vague de touristes à grands jours dans les d'implantation, années à venir. d'installation. Exactement. Ouais, d'installation, ce serait idéal. Mais en tout cas, on a hâte de découvrir ça. Donc, je le disais, ce sera publié au mois de mars aux éditions Futuropolis. Et tu disais que c'est un album qui t'avait pris beaucoup de temps.
Un autre album qui t'a pris beaucoup de temps et qui a beaucoup de points communs avec, avec ce nouvel album, c'est L'Oisivré, qui a été publié l'année dernière et où on retrouve, je crois qu'on va voir l'image, où on te retrouve petit, comme on te retrouvait dans, dans Du bruit dans le ciel. Voilà, on te voit là dans le reflet de, du Du sucrier. sucrier. Et donc, dans cet album L'Oisivré, je le disais, on retrouve des personnages en commun, donc toi, plus petit, mais également le shérif. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce fameux shérif, donc qui est un personnage, qui est le personnage central de L'Oisivré, et qui apparaît un tout petit peu dans, dans ton nouvel album, et surtout revenir sur, sur l'histoire de cet album qui, je le disais, a vécu une longue histoire, puisque s'il est sorti l'année dernière, tu avais fait... les premières pages il y a une dizaine d'années. Il y a 18 ans, Il y 19 a 18 maintenant. ans. Ouais, c'est toujours une dizaine, c'est presque une vingtaine. Voilà, est-ce que tu peux nous, ouais, nous Ouais. rappeler qui est le shérif et puis nous raconter comment est-ce que... Parce que je pense que ça explique aussi ton nouvel album, c'est-à-dire tout ce que tu as porté, tout ce que tu as écrit depuis des années sur le shérif et que finalement, L'Oisivré, tu l'as raconté dans différents entretiens. C'est un album qui est publié chez l'association, mais tu as encore des tonnes et des tonnes de documents, de choses que tu avais écrites, des choses que tu avais dessinées sur ce personnage et donc indirectement sur, bah, sur l'endroit où tu as grandi. Oui. Yes, I can talk about the sheriff. Le shérif est pas du tout un Américain. C'est un paysan de Grangerous. Je crois qu'il est né, il est né là. En tout cas, il a vécu toute sa vie là. Et donc, c'est un voisin direct de la maison. Il était à 100 mètres. C'est un personnage qui m'a énormément marqué. Il est On ignore pourquoi on l'appelait le shérif. Il avait certes un chapeau de cow-boy en permanence, sauf quand il était chez lui, où souvent il le posait sur une citrouille, elle-même posée sur son frigo, un peu crasseux. L'intérieur était d'ailleurs un peu crasseux chez lui. Mais c'était entre Dieu. Pour moi, c'était entre Diogène et Socrate de Châteauroux. Il m'a extrêmement marqué. Il a aussi marqué mes grands-pères et mon père. On a vécu pas mal de moments avec lui. C'est vrai que assez vite, j'ai eu envie de transcrire parce c'est ça en fait, on cherche à marquer des mémoires, des choses dont on sent qu'elles sont précieuses et que les dessiner, c'est un moyen de les garder, d'une certaine manière en tout cas, et même si elles passent par notre propre filtre. Donc dans L'Oisivré, c'est un filtre plutôt comique, même et voire caricatural, où le visage du shérif, je le déforme. Je crois qu'on va avoir quelques images justement de L'Oisivré où on voit effectivement ses gueules, que ce soit le shérif, les Ouais. autres. C'est vrai que là, on le voit avec au Voilà. café, au bistrot. Et encore là, il a le nez un peu plus court qu'il peut Oui, l'avoir. il a poussé puis régressé son nez. Je crois qu'il pousse quand il boit. C'est pas Pinocchio, c'est Piccolo, Piccocchio. C'est vrai qu'il aimait bien la Div bouteille. Et dans le dernier livre dont nous ignorons encore tout à fait le titre, Le bruit du ciel, pour ne pas le nommer. Je dirais que c'est la version sérieuse, en fait, peut-être plus réaliste, du shérif. J'avais envie de le faire revenir à nouveau, parce qu'il a été un élément marquant du village, et il fait partie d'une de ces surprises dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, il était peut-être l'esprit, en fait, de ce tout petit hameau, en fait, de 10-15 maisons, mais tout le monde le connaissait, d'où peut-être son nom. Même Gérard Depardieu l'a croisé. Ils ont passé des moments ensemble également. Donc, en tout cas, c'est un personnage qui était bourré d'humour. Et c'est là, je me, je, dans la dans L'Oisivré, je suis allé, mais alors à pieds joints dans la flaque de l'humour. Et là, cette fois-ci,
c'est plus à pas menu, en fait, on le frôle, on le croise, et si on veut compléter la connaissance du personnage, effectivement, on peut retourner vers ce livre L'Oisifred. Mais qu'est-ce qui fait justement, selon toi, que tu l'as un petit peu dit, mais qui t'a marqué à ce point et que tu reviennes à ça, c'est-à-dire, je le disais, quand tu as fait des entretiens au moment de la sortie de L'Oisifred, tu parlais de toutes ces notes, tu as montré toutes ces notes que tu avais sur ce personnage. Et pourquoi c'était important pour toi? Qu'est-ce qui te fascinait autant chez lui et qu'est-ce qui a fait que tu as mis du temps finalement à réussir à savoir quoi raconter à son propos? Revenons à ces 18 ans passés. Les points de focalisation, c'est toujours un peu mystérieux. Pourquoi Emmanuel Guibert s'est fixé sur Alan? On ne sait pas vraiment où se niche la résonance avec le besoin du dessinateur ou de l'auteur. Mais en tout cas, il y en a eu une très forte. Je pense qu'en disant Socrate, Diogène, je mets deux, trois pistes. En disant Truculence, il y a un côté rabelaisien aussi qui revient. Et il était aussi, Mais toi, tu étais surtout. petit, c'est-à-dire il Mais y avait moi, j'étais aussi un truc petit. impressionnant et immédiat, parce que C'était une. tu penchais pas à tout ça quand tu étais petit, Non. c'était juste un truc hyper immédiat. C'était un personnage extrêmement fort, Ouais. un caractère extrêmement fort. Et ces personnages marquants, c'est des figures, c'est des. Et on a dans la famille un goût pour ces personnages-là, ces phénomènes qui sont peut-être pas nous, mais qu'on admire d'une certaine manière. Et la fascination de cette altérité-là, et le culte presque de ces personnages fantasques. On en a toute une galerie dont on parle régulièrement quand on se retrouve. Et je crois que c'est aussi une manière c'est peut-être la mémoire familiale qui a cultivé ça. Moi, je sais que tout petit, tout de suite, ça a été, oh, j'ai eu les cœurs dans les yeux, comme on dirait aujourd'hui, ou le sourire immédiat. Et il était très très gentil avec moi alors qu'il pouvait être extrêmement dur. Donc c'est aussi une des raisons qui font que je me suis pas braqué et que j'ai pas eu peur de lui. Il a été extrêmement gentil avec moi. Et sans m'infantiliser, c'est-à-dire qu'il sortait les mêmes blagues que un peu crues qu'il pouvait sortir avec mes grands-pères ou avec d'autres. Donc c'était pour moi le monde des adultes, mais dans une version comment dire, d'inertie, c'est-à-dire qu'il ne travaillait pas. C'était aussi ça qui me fascinait, c'est-à-dire que le shérif n'a jamais travaillé de sa vie, Rien. rien, rien, rien du tout. Et malgré ça, il avait, j'allais dire, une cour. C'était son esprit qui arrivait qui faisait venir à lui les gens. C'était pas que les bouteilles qu'il avait entreposées, c'était, parce que ça, il y en a, on trouve partout. Enfin, c'est facile à structurer. Ce qui était fascinant, c'était l'humour qu'il mettait et le recul qu'il avait, et le fait qu'il réglait son compte à tout le monde, et lui en premier. Il avait une autodérision terrible. Donc, il brossait pas mal de facettes que je trouvais remarquables et fascinantes, parce que je me disais, mais comment, voilà, c'est cette capacité-là, elle n'est pas banale, quoi. Et c'est ce côté atypique, en fait, qui m'a tout de suite énormément plu. Donc, j'ai travaillé. Tout de suite, j'ai cherché, je me suis dit, ah, dès 80, oui, on va dire 92, donc 5 ans après être parti, où j'ai commencé vraiment à travailler la bande dessinée, j'ai pas commencé par travailler, c'était des carnets secrets. En parallèle de ma première série qui est Ninon Secrète, Non un truc secrète. plus classique. Mais lui, c'était mon laboratoire. Et je sais pas, je me suis focalisé là-dessus, en travaillant sur lui. Et j'ai mis des années avant de trouver la bonne distance, la bonne focale. 10 ans à peu Et tu près avant disais, c'est de faire une première version et où en fait qui ont été publiées et donc ce que tu as fait à l'association, c'est que tu as rajouté le début de l'histoire. Et la fin de l'histoire, mais j'aimerais, parce que le temps passe trop vite, j'aimerais qu'on parle. Tu disais, ce sont des personnages, on a le goût pour ces personnages forts, et c'est aussi des gueules, c'est-à-dire qu'on l'a vu là dans les quelques images de L'Oisifred qui sont passées, et pourtant, à la fois, il y a quelque chose
où tu ne les épargnes pas et où en même temps on sent tout ton amour pour ces personnages. Et c'est vraiment quelque chose, je trouve, qui est fort dans ce que tu fais, où c'est à la fois quelque chose où on sent ton goût pour croquer ces personnages et en même temps on sent tout cet amour et c'est vraiment un goût de l'observation. Je vais faire le pont avec un album qui n'a absolument rien à voir mais qui est La Traversée du Louvre, où là on n'est pas du tout justement dans cette exagération et Non. dans ce côté caricatural, et où pourtant là où je vois un lien, c'est qu'il y a cette même observation, c'est-à-dire que tu as observé les visiteurs et leur rapport aux œuvres et comment l'un fait écho à l'autre. Et là encore, on est dans l'observation, c'est vraiment quelque chose qui te nourrit énormément, cette observation, le fait d'observer les autres et ce goût pour les croquer, que ce soit d'une manière un peu caricaturale ou au contraire d'une manière plus réaliste. On sent en tout cas ton amour pour ce que tu dessines en fait et pour ceux et celles que tu dessines. Ah ben c'est la gourmandise de ma vie, de mes yeux en tout cas, depuis toujours. Depuis toujours, c'est vrai. C'est ma nourriture essentielle. C'est ce spectacle permanent qu'on peut avoir en regardant les autres qui me fascine. Et les attitudes disent énormément. On peut leur faire dire, en tout cas, quand on les dessine, exactement ce qu'on veut. Et on peut aussi ensuite se surprendre en tant que dessinateur. Je veux dire par là qu'on peut poser une attitude et puis, comme je disais tout à l'heure, à la fin, changer la bulle et donc introduire Et un ça change de décalage. sens. Hein. Et dans la traversée du Louvre, c'est un album quasiment muet. Donc là, on est vraiment centré sur ce que les attitudes peuvent signifier. Mais dans le reste de mes travaux, souvent, je me livre à ça. C'est-à-dire que je dessine les personnages, je leur fais faire une action, on va dire. Et puis je trouve que l'action redouble trop le propos. Enfin, l'attitude redouble trop le propos. Donc là, soit je vais essayer de trouver une autre attitude, soit je vais ensuite éventuellement changer le propos, ou le dialogue en tout cas, Pour pour créer un décaler. décalage. Ça me semble important. Justement, c'est aussi tous ces petits glissements de terrain, ces petites surprises-là qui font le sel, pour moi, de la bande dessinée en tout cas. Et ce qu'on a vu aussi en passant des planches de Loisivré aux planches de La Traversée du Louvre, c'est ton goût pour la technique, et en tout cas pour des techniques différentes. Ça revient à ce que je disais au début sur le fait que d'un album à l'autre, tu peux changer complètement de style. Tu évoquais Ninon Secrète, où là on était dans un dessin plus académique. Et c'est assez impressionnant de voir comment est-ce que tu peux passer d'un style à un autre. Il y a vraiment ce goût-là comment dire, pour à nouveau trouver la technique la plus adaptée au propos. Le Louvre, c'était avec du pastel ou des crayons de couleur. Non, c'est ça? Pastel, des crayons à la cire, oui, des sortes de Des crayons à la pastel. cire. Et qu'est-ce qui te plaît Et des là-dedans, crayons. justement, Et tous dans les ce passage d'une technique à l'autre? crayons de bois aussi, trouvables à les mines de plomb, les fusains. Qu'est-ce qui me plaît? Ben, je crois que ça me dépasse en réalité. C'est-à-dire que c'est exactement comme tu le dis, trouver le ton juste, c'est ce qui m'importe. Et alors après, je me laisse embarquer en réalité à chaque début de projet. J'ai des possibilités infinies, pas moi, mais le dessin offre des possibilités infinies. Et moi, j'essaie de me tracer, de me tailler un chemin à travers toutes ces possibilités en essayant d'aller non pas au plus court, mais au plus juste, à ce qui me semble le plus juste en tout cas. Donc, bon, c'est le résultat de cette analyse faite au moment donné où je me lance. Après, c'est certain que le travail peut durer, un album peut s'étaler dans le temps, et les idées mises en place au début peuvent être bousculées en cours de réalisation. Donc après, c'est tout un travail d'ajustement en fait, tout au fil du temps de l'album. Et ce passage d'une technique à l'autre, on le voit aussi dans un album, dans un livre, Sumographie, qui est un recueil de tes dessins et où j'ai eu l'honneur d'écrire les textes pour les accompagner. Ce sont donc des dessins que tu avais faits pour une exposition et qui ont été exposés, qui ont donc été rassemblés dans ce livre. Et je trouve que
on voit bien tout ce que tu disais sur le passage d'une technique à l'autre, c'est-à-dire que quand tu as un sujet que tu dois dessiner dessus sans avoir en tête une bande dessinée, tu peux t'offrir, tu peux avoir ce jeu de passer d'une technique à l'autre, et on le voit dans les dessins que tu as faits à partir de ces combats de lutteurs de sumo, que tu passes du feutre au crayon, à la plume, au crayon, à la pastel. En tout cas, il y a ce jeu d'une technique à l'autre. Là encore, qu'est-ce qui a présidé au choix d'une technique ou l'autre quand tu étais sur le moment, là on va voir quelques images, quand tu étais face à ces lutteurs de sumo, qu'est-ce qui faisait que tu prenais plutôt un crayon, que plutôt tu allais prendre un feutre? Comment est-ce que qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là, au moment du dessin? Alors, au moment de la prise de notes, c'est-à-dire au moment des croquis face au lutteur, là, par instinct de survie, j'ai choisi l'outil qui était le plus facile. C'est-à-dire là, pour le coup, c'était des crayons pastel à la cire qui font un trait assez large, assez épais, qui me permettait de saisir vite le mouvement. Et ensuite, là, c'était l'opportunité de laisser la bride sous le cou et de gambader tranquillement d'une technique à l'autre, en allant presque du pluralisme à l'abstrait, pratiquement, si on veut, si on décontextualise ce dessin qu'on voit à l'image, là actuellement, on peut penser que c'est un dessin abstrait si on ne sait pas qu'à la base, il est regroupé dans un recueil qui s'appelle, dans une thématique qui est celle du sumo. Une fois qu'on sait que c'est du sumo, c'est clair et net, il me semble. Mais en tout cas, là, c'est le plaisir de justement de pas. Ce qui fait parfois pour moi la difficulté de la bande dessinée, c'est de rester sur un album cohérent. Je me dis ça, mais c'est tout à fait possible de faire autrement en bande dessinée. C'est-à-dire qu'on peut passer d'une case à l'autre avec d'une technique à l'autre. Je pense que c'est même peut-être un jour, j'arriverai en fait à faire ça, mais pour l'instant, j'ai une sorte de blocage qui me dit non, tu dois essayer de tenir. Alors, il y a des variations inhérente parce que j'arrive pas à me contrôler complètement, mais je me dis qu'il faut essayer d'avoir un ensemble cohérent du début à la fin. Donc je passe un temps fou en réalité à essayer de me canaliser dans un style, une manière de faire, et j'essaie de lui que ce style prenne une place, soit confortable en réalité dans les limites que je me fixe. Mais alors là, dans le sumo, j'ai pu aller à droite, à gauche, dans tout ce qui me plaît du dessin, c'est-à-dire que dans toutes les directions, et comme elles sont infinies, c'est un plaisir infini. À la base, en plus, c'était une exposition, pardon, mais donc j'ai pu jouer aussi des formats, des tailles gigantesques, 3,50 m jusqu'à un tout petit A5. Donc, ouais, c'était Et agréable. peut-être juste parce qu'il nous reste quelques toutes petites minutes, presque pour boucler la boucle, parce qu'on parlait des corps, des gueules, et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez fascinant dans tous ces dessins de lutteurs de sumo, c'est à quel point, encore une fois, on sent, j'allais dire, ton plaisir à dessiner ces corps qui ne sont pas forcément des corps a priori plaisants, ou en tout cas dans l'imaginaire collectif pour quand on évoque les lutteurs de sumo. Qu'est-ce qui, toi, t'a plu dans l'idée de faire de ces lutteurs de sumo un sujet plastique? L'envie de décaler le regard justement sur les a priori esthétiques. C'était l'opportunité, il me semblait, parce que ça peut être aussi bien qualifié de beau par certains que d'affreux. Donc là, dans cet espace-là, très large, il y a toute la plastique. Toutes les Et plastiques. c'est vrai que pour avoir eu la chance d'assister à un combat, il y a Donc quelque oui. chose de fascinant et qu'on ressent en fait à travers les dessins, puisque j'ai vu les dessins avant d'avoir la chance Ben d'assister à des combats, et on peut être que fasciné en fait face à ces corps. Et je disais que c'était la dernière question, et Nathanaël ne peut pas me faire les gros yeux d'accord. puisqu'il est à distance, donc je vais en poser une dernière, mais très très courte. Oui. Cet album, je le disais, j'ai eu le plaisir d'en écrire les textes, enfin ce livre, mais tu as Oui. travaillé avec plusieurs dessinateurs, scénaristes, avec Pascal Rabaté, avec Jeff Otto, avec Étienne Davodeau, avec Emmanuel Guibert que tu citais tout à l'heure. Et peut-être juste un mot de Troops. ton travail en commun, Troups, bien évidemment, Marc-Antoine Mathieu, si on veut aller chez toute Marc-Antoine Mathieu. l'équipe Oui. de Rupestre. Mais
Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? J'ai l'impression que c'est quelque chose que, même si là, ton album, tu le fais seul, que L'Oisivret, tu l'as fait seul, mais j'ai le sentiment que tu as vraiment ce goût pour le travail collectif, pour cette idée de petit groupe, en fait, et d'avoir des copains autour de soi. C'est vraiment quelque chose qui est important pour toi dans le travail d'auteur de bande dessinée? J'aime beaucoup parce qu'on a des justement c'est des approches différentes, des angles, des focales différentes qui attaquent un sujet de manière avec des angles surprenants parce que ce sont pas les nôtres et moi j'aime ça, j'aime être surpris par ça et j'aime donc ça instaure un dialogue et sur un sujet comme Rupest par exemple. C'est un sujet où le doute est roi. Et là, ben, c'était l'occasion, en étant à plusieurs, de poser le doute comme possibilité de dialogue à six. Puisqu'on le Mais... rappelle pour ceux qui ne l'ont pas lu, Oui, vous avez pardon. été visiter à Assis des Grottes Ornées pour faire un album composite en fait où chacun a retranscrit son ressenti dans ces grottes et que vous avez rassemblé donc dans cet album qui s'appelle Rupestre et qui est publié chez Futuropolis. Merci, merci de Je l'avais en tête. contextualiser. Oui. Voilà. Et c'est vrai que donc sur un sujet aussi vaste, bon, c'était important d'avoir comme ça toutes ces idées et de multiplier les points de vue. Quand on travaille avec Pascal Rabaté à l'écriture commune d'une histoire, là c'est du dialogue, on est plus dans le ping-pong et c'est un jeu extrêmement agréable. Quand un scénario préexiste, c'est le cas par exemple avec Jean-François Otto. C'est plus peut-être l'envie de le surprendre qui m'habite. Et donc là, je livre des surprises sur lesquelles il peut ou pas réagir. Mais effectivement, ça donne quelque chose de toujours, j'allais dire, enthousiasmant, mais enfin, c'est stimulant d'avoir la réponse de l'autre, des autres. Le contrepoint que tu as apporté dans les textes de Sumo, c'est aussi une surprise, une stimulation. Et c'est justement, moi, c'est ce qui me touche en réalité. Tout seul, j'ai suffisamment de doutes quand je travaille sur un scénario, sur la propre histoire, pour savoir que pour le transformer en moteur. C'est parfois un peu difficile et donc à plusieurs c'est une manière d'accélérer aussi le processus et de justement de faire de ce doute quelque chose de vraiment constructif. Merci beaucoup, Etc. David. Merci à vous. Je rappelle, en attendant Du bruit dans le ciel, qui sera publié aux éditions Futuropolis, à moins que ça change de titre, mais on vous tiendra bien évidemment au courant sur la page Facebook de la BPI. Mais en tout cas, en attendant ce nouvel album, il y a donc L'Oisivret qui est publié chez l'association et qui était donc en sélection officielle à Angoulême l'année dernière et que je vous encourage bien évidemment toutes et tous à découvrir. Merci beaucoup, merci de nous avoir Merci à suivis et vous. n'oubliez Merci pas beaucoup. vos questions. David est là pour y répondre par écrit tout de suite. Merci encore et à très bientôt. Merci beaucoup.